Bah, la police, c'est une question d'amitié, de connaissance d'une famille, d'un établissement, le Grand Monarque. Moi, j'ai toujours entendu parler de cet établissement. J'ai été au Relais Château à une époque et j'avais un monsieur qui s'appelait Alain Rabier qui me parlait toujours de la police. Je dis, un jour, la police, je le prends. Mais j'avais jamais le temps. C'est une question de calendrier. Et là, quand on m'a proposé de faire la police, c'était un honneur. Donc j'ai trouvé le temps. J'ai un collaborateur qui s'appelle David Biro, qui est un passionné de vin et de vin de Loire. Donc il m'a dit, mes chefs, ce serait bien que vous le fassiez. Donc, je l'ai fait, je suis là avec. J'apprécie ce moment de la polée. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme plus des chefs que de la cuisine. Et comme on a petite chance d'avoir un petit peu d'ouverture médiatique, il faut parler de la ruralité, il faut parler de nos provinces. Je ne veux pas faire de métaphores stupides, mais les neurotransmetteurs de nos grandes capitales sont les régions qui font qu'elles apportent encore des compétences, des savoir-faire. On vient de faire une dégustation exceptionnelle de vin de Mont-Louis, de vin de Sancerre et d'autres. On se dit, waouh, comment ces gens ont fait évoluer leur terroir. Et ça, ce sont les neurotransmetteurs de la France. Il faut savoir les protéger et continuer à évoluer avec eux. Donc il faut les faire travailler. Donc quand on a la chance d'avoir une petite fenêtre de lumière médiatique, il faut l'attraper et la partager avec les autres. C'est comme ça qu'on fera de ce pays une force, une tax force pour s'imposer, parce que le débat il est plus franco-français, il est planétaire. Anne-Marie ! Bonjour, pardon, Thierry Marx. C'est une femme passionnée par la cuisine. Elle cuisine bien. Elle adore. Oui, j'adore. Mais elle s'occupe aussi d'une association qui s'appelle Chartes Sanctuaires du Monde. D'accord. Chartes Sanctuaires du Monde récolte des fonds dans le monde entier, ouais. Aux États-Unis, peut-être oui. Au Japon. Non, pour l'instant, pas au Japon. Et pour entretenir la cathédrale, défendre la cathédrale, restaurer les vitraux, etc. Restaurer les vitraux. Donc je voulais qu'elle nous accompagne pour faire le petit tour de la cathédrale.